Ma Mission TV, le miroir du monde. Et yeah, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasulo. Chez Tremplin Royal, Kano Kakae. Pour l'exposer ici. Alors nous vous prions s'il vous plaît que les choses se passent dans l'ordre et dans le respect de l'illustre disparu. Nous prions à ceux qui n'ont pas de place assise de reculer et de se mettre de l'autre côté pour ne pas qu'il y ait des ordres, s'il vous plaît. Nous voulons que les choses se passent dans le respect mutuel. Il ne faudra pas que nous puissions recourir à la police pour bousculer les gens. Nous demandons votre indulgence ainsi que votre discipline. Alors, sur ordre des autorités de l'hôpital et du ministère, ce n'est pas tout le monde qui va aller là où on va ramener les corps. On va sélectionner 10 organes de presse seulement pour ne pas envahir de l'autre côté parce que nous devons respecter la quiétude de l'hôpital. Alors, Monsieur Oxygène, le secrétaire général de l'ANTPC va sélectionner 10 organes de presse qui vont accompagner la sortie du corps. Les autres amis, vous allez attendre ici pour que les choses se passent dans l'ordre. Merci beaucoup. Nous allons juste sélectionner 10 organes qui vont accompagner le corps. Nous commençons par la presse officielle. Nous appelons nos amis de la RTNC, Ya Antenna, Ma Mission TV. Libaya TV, De La Foi TV, donc les 5 premiers organes. Nous allons encore ajouter les 5. Le premier 5 organes, s'ils peuvent déjà se présenter. Voilà. Voilà.
notre maman Chaco, d'heureuse mémoire, avant de l'accompagner à sa dernière demeure. Alors pour ce faire, nous allons commencer par sa biographie. Ainsi donc, nous allons vous donner une idée de ce que l'illustre disparu a été ici sur cette terre des hommes. Chers amis de la presse, Bakondi Bazana Bejo Balanda ba cérémonie. Arrêtez avec les interviews, s'il vous plaît. Sécurité, veuillez dégager les amis de la presse là-bas. Tozan attendre l'interview. Baye Balanda na nous programme, s'il vous plaît. Maman Chaco, Diala, Anaendo, Jackie, alias Maman Chaco. Elle est l'une des figures de proue du théâtre populaire congolais. Elle a tiré sa révérence, elle a quitté la scène, et ce définitivement ce mardi 15 juin 2021 à l'hôpital HJ dans la commune de Limété. Qui était Maman Chaco? De son vrai nom, comme je venais de le dire, Chaco Diala Anaendo Jackie Maman Chaco. Elle est née le 23 août 1958 à Lodja, dans la province de Sankuru, au centre de la République démocratique du Congo. Maman Chaco est l'une des dernières survivantes de la génération des femmes qui ont façonné l'histoire de cet art dramatique en RDC. Elle a fait ce premier pas dans le théâtre à l'âge de 14 ans et a suivi des études de secrétariat. Elle a commencé avec le théâtre au sein du groupe Mwangazo après le départ de M. Arthur Niembo, Mustapha et Mutombo Bushi, d'heureuse mémoire. Elle a ensuite œuvré dans plusieurs troupes théâtrales, à savoir le groupe Mangobo en 1975, le groupe Nzoi et les Curie Maloba en 1986, le groupe Sans Souci d'Afrique en 1991, où elle a assumé la fonction de conseillère artistique. Femme dynamique, elle a créé son propre groupe dénommé Okapi d'abord, et qui deviendra ensuite Académie des Stars et Ballets en 2006, et qu'elle va diriger durant ses 15 ans. Puis l'Académie des Stars et Ballets va devenir Académie des Stars internationale. Membre effective et active au sein de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma, ANTPC en sigle, elle était conseillère. Mais également, elle était membre et vice-présidente de la corporation Corfac. Maman Chaco, ça va. Comme vous pouvez calculer, elle a donc 48 ans de scène. Une vraie richesse et une source d'inspiration pour les jeunes artistes féminins qui, au lieu de muser sur leurs talents, pensent se faire une notoriété en mettant en avant leur forme et en privilégiant les antivaleurs
en s'habillant de façon dénudée, ce qui était le contraire pour notre maman Chaco. Figure de proue du théâtre congolais, maman Chaco a fait la pluie et le beau temps à toutes ses prestations dans toutes les troupes théâtrales à Kinshasa, ce qui nous amène à considérer sa mort comme étant une grande perte pour le monde culturel congolais. Nous nous inspirerons toujours de ces valeurs qui furent les siennes et dont nous avons été témoins, notamment la justice, l'amour, l'amour du travail bien fait, la solidarité familiale, la détermination, le dévouement, l'abnégation. Voilà donc en quelques lignes ce que nous pouvons retenir de ce qu'elle a été, celle que nous pleurons ce jour et qui était pour chacun, pour d'autres, une fille, nièce, grande sœur, petite sœur, tante, grand-mère, belle-sœur et amie, ainsi que collègue de travail. Que son âme repose dans la paix du Seigneur en attendant le retour glorieux du Christ, lui dont le Père agit sur nous au travers de ses voies insondables. Maman Chaco, ayant vécu parmi nous, nous avons certainement des témoignages à l'occasion de sa disparition, mais talonnés par le temps, nous allons prendre trois personnes, à savoir les Alikens. Maman m'a beaucoup lingai. Si n'a zaki moi m'ki. Témoignage n'a zali. Maman m'a beaucoup lingai. Pour n'a zako koné. A boto linga. Kota papa n'a nga banana âge à 5 ans. A banati. A koli singa. A tangi singa. Si n'a komi n'a komi n'a niveau yo. A opé s'en a conseil. N'a dengé pe n'a zone kota père. Je suis un conseil qui a été fait pour que je ne sois pas poli. Je suis un peu plus poli. On a signé ma bébé, après signé conseil, mandingé pe jour à souk avant koufa, na kena outiki na wenze juste pembe na bisoane. Tout ça là qui na est na outi pas papa, espérer sanga na zongi. Après na kio tiki na wenze juste pembe na biso na tiki à ça il va marcher à l'épe. Mandingé pe outi kanga y, et loko na orache ka pe wa conseil na après sanga, na ninga boko linga y, na ninga pour signé un niveau. Merci. Azala qui se sou camaradité, maman Chaco a comme qui famille n'angaï. 16 ans en gota on a père de maman. Maman Chaco a conseillé nga na zaï comme on a une ange n'angaï. Maman Chaco a conseillé ngaï mingi na mobali n'angaï na bana. Bana n'anga ce qui toye awa na Congo, bana n'anga bazala toujours et pas à maman Chaco. Na rotika bango kuna a occupé bango bien makamu nyonso. Mais na repense témoignage moko jour monsieur to bimaki na mama Chaco to yaki mo reta na inza wana poto kendo lala mbala moko ba shindai ba kuluna ba holanda bisonga na kimi deja ko kimate ngabite na kima na kimi na komi na porta biko kimate bana ngo ba pusani pembe na bibino bo pesa ka machete wana nga sikona zuba nga ngai baba bambi mama Chaco mate abi pesa nga bilo bokolala ah mama Chaco eza yo mama
Ezayo a botoli bana na machette. Abi bino mende ba tuboke ndo lala ngala ho lala te. Ngai mama chako na ba chege na ba kuluna abi bano bazela lobi na ko gangela bango se na moni bango. Dogi makambe bele ya sali na vi na ngai mususu moye ya ko loba ezalite donc ya tiki bana na ngana. Atiki bana na pasi situ Julius. Na ebi auto sale mission moko ya ko lamba wa. Bana ba moni ndenga zo lamba wana na beboka bani babi ah tala ser na yo azo tuta ba viande na eboka mama benga inga benge na seki inga bi jaki bana ba moni yo awa mu abi jile si sombela nga pareil mwana uti ko ya auti ko memela ya pareil wana ya ko nika ba biloko ba nini abi moni bana nga ndeke ba ko yambanga donc eza passe mingi na famille na nga donc azalaki ange. Mama chako na kata libota na ngai ezakaka na famille na ete ezakaka na famille na ye ya théâtre te pona batunyo en tout cas mama chako na ebite bao ba vraiment pona ngai na kopesa e bravo 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 je t'aime mama chako sikoto luka bana basi ba ya na kata groupe inga a pensé ki sikoyo na Jackie azali cousine na ye donc inga Azali cousin ya Chako. Et puis c'est difficile parce que Chako na ta famille na bango papa na bango zaki tellement sévère. Et c'est difficile Jacques ça la théâtre. Mais ngai na compagnie ki inga tokende ki pai kota la papa ba Jackie ba dodo mana barumbu. Inga essaye ki ko convaincre papa. Mais papa c'est comme moi un peu difficile. Mais après ça il va conditionner, bien ça les il faut encadrer bien. Inga assure que na ko encadrer et chaque répétition na banego tikete nanda. Tous allez que chaque répétition soit aussi ici ya mongazo, tous allez que noti ka Jackie ti nanda. Et pièce Liboso, spectacle na Liboso ou a Joaki. Ezaki spectacle moko ya ba expression a joaki comme maman m'a pas ça ngana la ki comme ba jimo oya za ikobota mais kozanga kaka bana basi azai ko jouer double rôle personnage mi balé azai ki maman oya boti biso ba m'a pas ça mais tanga na koli m'a pas ça na koni fallait na bala donc azai sous ko bala ye oyo ya bota ki ngai. Donc vraiment Jacques a aidé qui biso makasi na moment wana pendant que tozali na ba tourner na ba campus na ba institut supérieur vraiment et s'est donné vraiment parce que azai l'air wana za pe kotanga a kotanga na centre féminin Mamobout soka wuti cours directement à répétition après répétition biso pe te ko ti kayé vraiment c'était vraiment lelo. Bonso benge mama bani bon il faut na faire ko benge mama koko azali pena mama koko oyo abandonné et puis eloko Jackie osali okufi jour o ezala ki jour anniversaire nangai le 15 juin Jackie na oposolo te Jackie et puis spectacle wana to intitulé kango Chako Chako lino lo banini mapasa et puis l'air ma journaux et ça là qui va commentaire il y a spectacle wana et ton mémé là il papa ma journaux wana papa c'est pas là parce que papa n'a pas encore bonne Chako il n'y a pas ça qui banane ba comme Chako donc papa n'a pas encore Chako c'est pas là qui m'a cassé et ça là qui honneur à mémé na combo na Chako vraiment Jackie réponse en paix merci papa modérateur bon à minute moko petit bisou. Témoignage au Nangina Sala. Nangina a interpellé les artistes comédiens. Nangina a parlé de la discipline qu'avait Maman Chako. Namusala Oy. Touti Brazzaville. Suite, il y a arrivé tardive na un spectacle Moko. Na suspenda qui est à partir de Brazzaville. Pour Nazalaki, directeur artistique et financier groupe Mangob. Nakangi na mbongo naye. Naye ko foutre yango na Kinshasa. Elle était restée la même. Soumise.
jour y a levé la suspension naïe, la PCI est caché naïe, 6 mois après. 6 mois après. Na kanga ki nambongo, na punition. Abinangai, merci papa. Oyo et coupé sanga makas, na continue moussala nangai. Est-ce que vous, là, Bokoko Karosala et loko oyo mama oyo lelo atikibiso pour être lobby pour mériter ba honneur oyo a mérité lelo sans l'ordre sans la discipline na musala na biso kokende liboso eza passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Discours pour les funérailles et la mort de Madame Chako Diala Anaendo Jaki, alias Mama Chako. Pour les funérailles de celle qui était pour nous notre sœur, notre mère, notre amie, nous voulons tous ensemble, sa famille, ses amis, ainsi que ses collègues de travail, lui dire adieu. La Bible dans Ecclésiaste déclare qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Merci. Notamment un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Notre peine est immense. Le décès d'un être proche est une vraie douleur au cœur et à l'âme. La mort de Mama Chako, qui sera suivi bientôt de son enterrement, ne sont pas une fin de vie. Non, son départ est le début d'une nouvelle vie dans un autre monde. Un monde fait d'amour et de bonheur. Certains l'appellent le paradis. Comment lire ces discours d'adieu, ces discours écrits pour un être proche sans que des larmes d'amour et des peines nous montent aux yeux? Comment lire ces textes d'amour pour un être cher, décédé et pourtant tellement vivant dans nos cœurs et dans nos souvenirs? Mama Chako était pour nous un modèle de vie. Et sa mort est pour nous une leçon de vie. La tristesse de tes enfants témoigne que tu étais l'une des meilleures mères, la meilleure des mamans. Ils te disent, maman, nous t'aimons. Maman, nous ne t'oublierons jamais. Les deuils que nous portons ces jours nous enseignent que notre fille, sœur, mère, collègue de travail, était un être spirituel et que le passage de la vie à la mort n'est qu'un voyage vers un monde d'amour. À l'heure de la mort de Mama Chako, il nous reste des milliers de ses souvenirs pour alimenter chacun de nos jours de vie jusqu'au jour de notre mort. Repose en paix. La vie ne dure qu'un instant. L'amour pour les défunts est éternel. Nous ne t'oublierons jamais. Tu es la première à avoir dompté la rigueur de notre papa, que tu as appelé chaleureusement vieux Makarios. Puisqu'il faut bien mourir un jour, nous devons apprendre à vivre comme toi, notre sœur, notre mère, notre repère de vie. Toutes les formules de condoléances, les peines partagées, les deuils qui a commencé, inscrivent à jamais des pensées pour toi dans nos cœurs pour que notre souvenir de toi ne meure jamais. Adieu l'artiste, repose en paix, nous ne t'oublierons jamais. Je ne saurais terminer ce speech en remerciant de tout cœur toutes les personnes, tant physiques que morales, qui ont, durant ces temps de détresse, apporté un soutien moral, matériel, financier à ma famille. Mes chaleureux remerciements s'adressent également au gouvernement de la République démocratique du Congo, qui, par les biais du ministère de la Culture, Art et Patrimoine, nous a accompagnés malgré les multiples tâches auxquelles ils doivent vaquer. J'ai dit et je vous remercie.
Mesdames et messieurs, nous voici malheureusement à la fin du spectacle à One Man Show présenté par Mama Chaku, l'une des grandes actrices comédiennes de notre pays, la plus ancienne encore, très active. Malgré les nombreuses difficultés que l'artiste et comédien congolais connaît depuis des lustres, elle est demeurée toute sa vie dans la profession en refusant de vivre dans la résignation. Femme battante, elle a beaucoup milité pour la transformation positive de nos conditions socio-professionnelles afin que nous sortions de l'état de précarité dans lequel nous vivons, nous les artistes dramatiques congolais, et cela depuis plusieurs années. Raison pour laquelle nous luttons dans l'ANTPC, l'Association Nationale de Théâtre Populaire et Cinéma, depuis plus de 20 ans, où elle a assumé avec brio ses fonctions de chargée de social au comité national jusqu'à sa mort. C'est donc malgré elle qu'elle est obligée d'interrompre brusquement et définitivement son apostolat consacré entièrement à la conscientisation de la population souffrant de bonne humeur dont elle tenait seule le secret. Oui, depuis l'âge de 15 ans, Mama Chaku a passé la plus grande partie, si pas toute sa vie professionnelle, dans le domaine de la culture et des arts, particulièrement au théâtre et au cinéma. Convaincue du rôle combien important que l'art dramatique et le cinéma congolais ont à jouer pour transformer positivement notre société en vue de son développement intégral, Mama Chaku aurait sans nul doute souhaité être encore de nôtre, surtout à l'étape actuelle décisive de la marche du pays. Mais le maître du temps et des circonstances en a décidé autrement. Que sa volonté soit faite. Toujours derrière le rideau où elle se trouve, où elle nous lorgne, elle me souffle de rappeler notre refrain de tous les jours, celui de savoir pourquoi les différents gouvernements et les différentes législatures qui se sont succédées depuis l'indépendance de notre pays ne sont-ils jamais arrivés à voter une loi sur la politique culturelle spécifiant le statut de l'artiste congolais en général, gage incontournable pour l'amélioration de nos conditions socio-professionnelles. Sur ce, nous osons croire que la présente législature ne manquera pas, dans sa prochaine session parlementaire du mois de septembre, de s'y pencher. Très cher vénéré Chaku, avec autant d'amertume, nous tes collègues de profession et tes nombreux admirateurs regrettons profondément ton départ et demandons à Dieu Tout-Puissant ainsi qu'à sa corde d'anges de vous recevoir dans sa dernière demeure. Avant de terminer, nous tenons à remercier sincèrement toute la population congolaise et les artistes comédiens en particulier pour avoir compati à cette douleur de séparation. Adieu, Mama Chaku. Tu resteras gravé à jamais dans la mémoire de nous, tes collègues, membres de l'ANTPC et de toute la famille théâtrale. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère.
Je vous remercie. D'emblée, évidemment, je voudrais, à mon nom, mais surtout au nom de Madame le ministre de la Culture, Art et Patrimoine, dire toutes nos condoléances à la famille de Maman Chako, mais également à toute la population congolaise qui participe de plusieurs façons à ce deuil, étant donné le rapport particulier que cette population a entretenu avec Maman. Son Excellence Madame la Ministre elle-même est souffrante. Elle a fait préparer un mot que je vais lire in extenso, il est très bref. Voici le mot. Très chère, honorable, excellence, mesdames, messieurs, très chers artistes, très chère famille et tout le monde ici présent. Nous voici au couronnement d'une vie culturelle de l'une des plus grandes femmes du théâtre populaire de la République démocratique du Congo. Jacky Diala Chako, dit Maman Chako, avec plus d'une quarantaine de vies actives sur scène, est l'une des icônes du théâtre Maboké qui a grandi avec 4 générations. Mon ministère, le ministère de la Culture, Art et Patrimoine, est très reconnaissant pour sa carrière fructueuse. J'ai voulu, en tant que ministre, sous le mandat du chef de l'État, président de la République et président de l'Union africaine, avec comme thème « Culture, art et patrimoine, socle d'une Afrique que nous voulons », j'ai donc voulu faire savoir que Maman Chako est aussi un autre patrimoine du théâtre populaire congolais. Sous l'impulsion du Premier ministre, son Excellence Samalou Kondé, qui s'est investi personnellement avec toute la primature pour ses obsèques, je t'accompagne, très chère Maman Chako, au-delà, avec tout honneur. Mon ministère va proposer les biennales flanelles de Chako afin de récompenser une artiste de théâtre populaire chaque 2 ans avec le prix flanelle de Maman Chako. Ce sera pour encourager le genre théâtral d'être compétitif. Tous les 2 ans, il y aura donc un concours du théâtre populaire au nom de Maman Chako. Pour clore ce mot, je pense aux autres artistes comédiens, aux réalisateurs, aux metteurs en scène, aux mécènes, aux culturels du théâtre classique aussi, de savoir que mon ministère veut relancer la loi sur la culture avec les statuts d'artiste, afin que tous les artistes, sans discrimination, soient très bien traités dans l'avenir. En mémoire de cette journée douloureuse et de séparation, je proclame donc Maman Chako, présidente à titre posthume des biennales flanelles de Chako, en lui disant de saluer tous les autres artistes qui nous ont égayés et qui sont auprès des anges pour accueillir notre Maman Jacky Chako, qui nous laisse le plus beau souvenir de femme de théâtre. Adieu, Madame l'artiste. Excellence Catherine Katungufura, ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Je vous remercie.
Chers amis artistes, tous à côté de l'Anzoto Yamoué. Oh!
Bon, on est quand on est endeuillé, une des nôtres. Même ceux qui est bébé, je mets la cuillère, ça dit un mois, mais on est toujours dans la tristesse. Et donc, vraiment, je ne sais pas ce que je veux dire, parce que là, vraiment, je suis arrivé. Alors qu'à Zagina, nous sommes classés, on trouve une salade liée, partager, créer ce qui est la prochaine, ça ne peut que nous choquer. Donc, est-ce que je demande pourquoi c'est moi les artistes, maman chère dans ton coulier, père, mais papa, du coup, on a fait sous sa discussion. Qu'est-ce que vous ressentez? Cette question-là, il faut demander au Seigneur qui donne et qui reprend. Peut-être petit à moi parce que c'est des gens qui sont connus. Nous avons marre de tout le monde à l'ombre du Bimbéo. C'est pas seulement des artistes. Les gens volontaires en Zambé, il ne nous appartient pas de spéculer s'il y a des gens qui sont en train de partir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Nous ne pouvons que remercier l'Éternel. Évidemment, ça fait mal, mais bon, c'est ainsi faire, on n'en peut rien. Le mystère de sa mort est un peu incertain. Qu'est-ce que vous dites en tant qu'artiste? Peut-être que vous allez au contraire. Il n'y a pas question à vous bêta. Le vieux. Bon, les gens peut-être confondent. Ça fait un mois avant Koufa, à côté de la Yélanda. Là, je vois, on a allé à l'université. Là, on a Yoki, le gars nous a fait la petite appelée là, la cité verte. Je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone, en confirmant que non, bah côté là qui est dans le pangou, mais bah tout ça qui va monter. On va la pièce qu'il faut qui la sécurité. Bah visa qui est beaucoup plus bah matériel là, à travail, bah caméra, bah ordinateur et tout. Il n'a pas été touché. Et puis après, malade, vous voyez, il a oublié la loi. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir dans le fait que ma côté là qui est là-dedans. Rien à voir. Voilà, on a travaillé ensemble dans le monde de Gnasso. On a réussi à commencer en Zotia et rien. Donc, c'est un peu ça. Donner là au centre de le là et participer à la mission à l'objet de santé féminine. Quand même, vous travaillez ensemble dans la famille, dans la corporation, parce qu'il va diverger cette gabelle. Parfait. Nous, on a eu une consistance. Et puis, on a eu trois autres travailleurs basali. Donc, j'ai vu notre frère là, au four, on voulait notre famille. Nous, on est là pour soutenir le corps artistique. Donc, c'est un peu ça. Tout le monde a eu sorti à corps, il y a Maman Chaco. Sort pour toi, actrice aussi, je ne sais pas. Et là, on est dans quoi ça? Balandi, ma mission TV. Balandi, na quoi ça va? Tout ce que Dieu fait est bon, dit la Bible. Tout ce que Dieu fait est bon. Ti Maman Chaco Akoufi, c'est Dieu qui l'a permis. Akoufa Bongo, Dieu a permis que Bisopetos de la paix, Ngonga Ngonga, Ouéguyela. La moto et Kokufaya Chaco et ça les un mois et deux jours t'as eu beaucoup de problèmes donc on a parlé beaucoup de choses oh yo et c'est pour ici imiter ma batote ma moto soupe donc bilobela et salami moi mingi la grâce est que ma belle aux à l'état tant que tu veux pour d'ailleurs jacques n'a dégagé son moco. Ministre de la Culture, jamais je prends en charge vie, âge, oyo. À Oumel Namosala, il y a théâtre, vraiment, à s'en obligé, il y a besoin en charge. Et ministre à Kosité, vraiment, je salue sa présence, au ministre de la Culture, vraiment, à Kosité, où il y a le bac qui a accompli, c'est vraiment que, en tout cas, les jours J, à ta, Bouté Oumeli, mais Tongo, et Gota Nakaka. Mais qu'est-ce qu'elle fait que Matanga et Oumé là-bas changement de programme c'est dit à quoi? Le changement de programme se faisait parce que biso tout ça nous ça en Namsomoko et l'état lui bosela. Tant que l'état lui bosela, bino bosela, l'état lui bosela. Maloba ils en a il y a fait ils en a l'état.
déjà sur la famille, il y a eu la bâtisse sautée, il y a l'État. Donc l'État a courussi, oye, à l'obaye, qui est un gana, chaco. Il y a un lelo, l'État a condé chaco. Vraiment, nous allons dire merci à la ministre de la Mission Culture. Merci à vous. Merci. Mes condoléances. Aujourd'hui, on dirait que ma mission TV, tout le monde est présent, c'est très remarquable, na Bobsé qui a sorti à Maman Chaco. Et là, on est là, pour nous faire la balance. Nous sommes là, 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 les lots qu'on aurait acteurs, mais actrices, habitent sur Maman Chaco. Souvenir, on y a ma carte sur Yoko, ni peine pour Maman Chaco. Bon, pas Maman Chaco. Souvenir, oh yo, ils ont ça engagé les lots à monter, mais n'anga pas Maman Chaco, parce que les actrices, abandé peu pour jouer pendant ça. Aza, bah image, Zali. Vous pouvez me gosse. Oui, Maman Chaco, dans sa bah image, abandé pour jouer dans le groupe pendant ça. J'ai dit, abandé pour benga, air news, donc benga, rôle news, donc pensez à y, abandé pour jouer. Y'a quoi n'anga? Merci beaucoup. Merci maman. Merci. Nous sommes à Baobab. Bref, Attends, un masque ou lunettes pour que le, parce que les gens ne te reconnaissent pas en tout cas. Bonjour et bienvenue. Merci. Bienvenue parce que Outi Musika, Oye Karapon Amatang a tout épais séjour. Un peu tout quoi, un peu tout mélangé. Parce que ceux qui ont appris à séjour, mais il fallait que normalement, il y a des gens qui ont dit que Lubumbashi. Mais si je suis encore ici, puis c'est programmé, je suis dit Awa. Après, on a acquis Lubumbashi, je crois, mardi, on a eu Lubumbashi. Voilà. Dans nos là-bas, on sait que les cas, après, on a eu Lubumbashi, un peu tout. Maintenant, on a un programme bélé, bélé. Maman Chakoazo représentait Nini et Pana. Beaucoup, beaucoup. Grande sœur, collègue, conseillère. En tout cas, on a fonctionné bélé, puisque dans le à chaque fois. Maman Chakoazo, qui. Ceux qui ont un ami qui a comme moi, ceux qui ont un ami qui a comme moi. Ce que ça veut dire, elle s'adaptait facilement, même dans mon abonné théâtre et lobby. Donc, et puis, elle répondait positivement à l'invitation à jouer par Batonio, sur même banon et Miki ou Bandilelo. Et dès ça, qui grandeur, on a quoi. Donc voilà. C'est un moment où elle nous a quitté vraiment dans le moment où on a posé ça, on a encadré ma expérience, on a copié ça, le cube à la Baba dans la Sima, quoi. Voilà. Question, on a tout un exemple. Pas pour outil poteau.
Nathan Onyon Sosel na poto ozongi. Qu'est-ce qui se passe en fait dans l'organisation Onyon Sosel? Il y a ma matanga, il y a ma comédien, ceux qui va perdre moko ya mango. Tu constateras toujours, et ça rend moi ma makambo moko il se passe à Kaneti. Oh, déjà tu constater, un mois depuis que maman Chakwa Koufa, jour pour jour, Lelo, vous s'est décidé, Kornaye et Bimame. Avec une organisation, peut-être ceux qui n'ont lobby, n'ont loba, bisomoro to yebi grandeur, il y a maman Chako. Avec cette organisation, moi je ne pense que Akoufi, oui, mais elle ne méritait pas peut-être ça. Maman Bibi Kapinga, malheureusement, je réponds à la question de pourquoi. Parce que je ne fais partie d'aucune organisation. Depuis le matin, ils sont là. Donc, Vous avez quand même des observations à faire. Oui, des observations, mais il faut que ça preuve tangible. Parce que dans le monde, il y a une famille, un comédien, une famille, qui est là. Il faut que ça soit là. C'est là où tout le monde est. Quand vous avez mis placé pour vous expliquer, le secrétaire de la NTPC, comme on a oxygène. Oxygène, oxygène, donc viens, oxygène. Non, c'est sérieux. Juste, viens. Au moins, il y a un secrétaire. Ah, secrétaire, il y a un d'accord pour répondre à la question. Question qui est, il y a un moment, pour ma organisation, tant que je suis là, il y a un chef fou dans la NTPC, il y a un lobby. Alors, question plus concernant ma Kamboya, ma organisation. Prenez place, voilà. Ma mission TV. Dans ma Kamboya organisation, beaucoup de gens posent des questions de savoir est-ce que la Mouche mérite vraiment cette organisation de gens. Votre appétit personnel. L'organisation d'aujourd'hui. Bon, là, l'organisation a été vraiment prise, la famille, hein, la famille vraiment des Azouaki, Makamounio, Sonobo, a organisé. Nous sommes venus juste à la dernière minute, là, aujourd'hui, en appui, hein, la manière dont on essaie d'organiser. Lorsqu'on a vu un peu Boende, quand même, hein, tout, il y a un appui, les lots, mais c'est beaucoup plus la famille des Azouaki Makamno soit même pour notre organisation. Donc c'est un peu ça. On vous présente avec un grand titre par le secrétaire M. Apo. Atali Sibiso Keyono, vous allez secrétaire. Alors en tant que secrétaire, quand on est au salon de Katia, NTPC. Alors, au recul de mes amis, ça la raqueur. À chaque fois qu'ils en ont un secteur de mon fêlé, on constate que ça c'est peut-être la première. Na ba obsek nyonso to ya dadi di kambala ezaki ko tiraillement c'était aussi la j'attends, je vais vous expliquer. To bandi na le président Mundwiri tiraillement ezaki les enfants njili balingaki le lama na njili. Biso to pensa ke za na to bonsele place akitoko na fikin. Pour le niveau naïe, tu vois, les laïens n'ont pas de naïe. Et puis, il y a un africain qui va payer ses artistes, ses raisons, non, et c'est un peu comme les laïens africains. Voilà, ben, en Jil. Pour Dadi Dikamba, là, c'était sa famille. Lorsque il y a soutien, il y a un conseiller, nous, on ne prend pas l'argent au niveau de l'association. Tu peux faire la famille, tu as un bon. Et la famille, en Dikamba, il y a un peu comme ça, il y a un peu qui a organisé ma cambo naïe. Donc, biso bagino, to bon, to pesi minoka bisika to zwa babilo koyo to organiza matanga, je pesi adresse. Bon, on est mon bazwa qui charge, mais par après, c'était pas ça. Donc, zala ki biso te, c'était la famille d'Albagi, la mona lina organisé, de mona ki makambwane salamaki. C'était pas l'association. Il y a nani, il y a bande de c'est aussi la famille mon bazwa qui est en charge. Donc, nous sommes là, er to komisi koyo, to tali, to rokanga maboko karate. Ndé au monito télémi quand même poto mais carosa un moment donné juste au début tu vas voir qui m'a accordé au côté sous ma casse pour tout l'intérêt les d'aller te rendre un hommage digne y a non à donc non pas de l'organisation ce qui est l'association nationale de théâtre populaire et de cinéma non nous avec Chaka Congo nous n'avons pas de problème maintenant c'est maintenant Chaka Congo de respecter la corporation, vous savez. Donc nous avons nos traités à nous, il y a le président Massoum, le président Lombé, il y a des gens qui peuvent engager notre corporation.
on sait pas à notre frère là d'engager la corporation. Ce qui m'a kanisa kito kozali, mieux vaut l'associer qu'il y a quand même qu'on discuter na biso tala li kanisa za boye. Ah OK, tout ça la boye. Mais nous pouvons pas aller na banzela mo disperser. Nous nous sommes à gauche, lui va à droite. Yango ça la ka bien té donc. Eyé, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort est le nôtre sous Kanamasulo. Chez Tremplin Royal, Kano Kakae. Ma mission TV, le miroir du monde.